Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 8 Village, évidemment, avec l'épisode 18. Et vous avez hissé les 17 premiers épisodes en top tendance. Comme d'habitude, je ne cesserai de le dire durant cette aventure. Vous êtes incroyable, merci à tous. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Autant finir sur cette bonne lancée, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on est donc parti. J'espère que vous êtes plongé dans le noir, évidemment, que vous avez mis la 4K 60 FPS si possible. Un casque ou des écouteurs, un petit truc à boire et à manger. On va discuter avec notre ami le vendeur. N'hésitez pas à acheter un œil. Je pense qu'il a de nouvelles choses. J'ai de nouveaux articles pour vous, monsieur Winters. À nous offrir, évidemment. Il a de nouveaux articles. C'est un menteur. Monsieur, vous êtes totalement un menteur. Ok, vous êtes un menteur. Voilà, vous êtes un menteur. Bon, pour le plaisir. On va augmenter, évidemment, le fusil à pompe. Pour le plaisir. On va augmenter, évidemment, le pistolet. Évidemment, ça va nous offrir quelques balles. Il nous reste tout de même 119 000. Et il a raison, manger, c'est vivre, ça. Personne ne te dira le contraire. Il me manque malheureusement du poisson. Je peux augmenter encore légèrement ma vie. Ah non, il faut que je trouve du poisson. Il faut que je trouve du fucking poisson. Niveau volaille, on est bien en plus. Pourquoi j'ai pas assez de... Ah, merci, merci. Bon, hein, on va se Luc faire ça. Luc a cuisiné. Comme ça, on se protégera encore plus. Il y aura pas de soucis là-dessus. Pourquoi j'ai pas assez de poisson? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises, si je puis me permettre? J'espère que vous allez bien. De mon côté, désolé pour l'attente. Ça va très bien. Voici votre part. Quand je suis avec vous, ça va toujours très bien, évidemment. Ça c'est fait, c'est mangé. Je crois que je reprendrai même volontiers. Que c'est englouti. On a des fragments de cristaux, un amas de cristaux aussi. Tout ça, c'est des objets de valeur, des objets de grande valeur. Des crânes cristallisés, j'en ai beaucoup. Crâne cristallisé parfait. Grand marteau. Grande hache. On a énormément de trucs là, hein. C'est incroyable. En vrai, on n'a même pas besoin de les vendre. J'ai pas envie de faire le ricain. On est genre... Vous avez l'œil pour la qualité. Beaucoup Merci. Trop bon. On n'a même pas besoin de les vendre. Alors, souvenez-vous, on avait entendu un bruit suspect dans ces coins-là. Pour moi, ça venait d'ici, le bruit, c'est très bizarre. C'était très strident, j'ai peur. Voilà, je vous le dis, j'ai peur. On avait entendu vraiment un bruit assez assez énervé. Est-ce que ça vaut le coup d'aller checker? Peut-être, je ne sais pas. Lieu de cérémonie. Il me manque encore quelque chose. Il me manque un trésor, quand même. Écoutez, ça m'embête. Il me manque un trésor, et le trésor... What? Pourquoi ils considèrent que je l'ai, le trésor de la forteresse? On l'a ramassé à aucun moment, pourtant. On a ramassé le trésor de la forteresse, ou pas? Dites-moi tout, le chat. Très bizarre. Écoutez, apparemment, on a le trésor de la forteresse. Je sais pas comment j'ai pu l'avoir. Je sais pas à quel moment j'ai pu l'avoir, mais c'est acquis. Et il reste un bocal Ahmed, j'espère que vous êtes prêts. Il est temps d'avancer. Let's go. J'ai donc le calice des géants. Ouais, bon bah les gars, ils nous disent d'aller là-haut. On va pas se mentir. Alors on va faire une petite save, n'est-ce pas? Mais il y a un truc qui me chagrine un peu, là. Pourquoi ça ne peut pas aller au-dessus, en fait? Parce que là, si vous regardez bien dans la description, c'est 3 sur 5. Donc, est-ce qu'il est possible que ça apparaisse en 5e, finalement, ou pas du tout? Sachant que là, malheureusement, j'ai aucun mode. Il y a deux modes disponibles pour le Magnum. J'en ai trouvé aucun. C'est très bizarre. On va mener l'enquête, évidemment. Mais là, je vous avoue que très, très, très sus... Paix, je pense. Ok. Bon, allez, j'ai 6 grenades explosives. Je peux vous dire que ça va swinguer. Vous savez quoi? Au diable l'avarice, on y va sans crainte, n'est-ce pas? Rejoindre donc Heisenberg, qui va sûrement nous annoncer quelque chose de terrible. Il y avait un corps ici, hein? Oh! Il y avait un corps ici, hein? C'est sûr, hein?
Ah bah non, il est là. Allez, on y va. Continuons cette aventure. Qu'est-ce qui se passe? Bon! Il a encore créé quelque chose de dingue. Une idée saugrenue, une machination de la tête d'Heisenberg, n'est-ce pas? Et est-ce que vous pensez qu'il faut mettre le calice des géants ici? Je pense que oui. En fait, tout ça pour déplacer le calice avec mon enfant découpé en quatre parties, n'oublions jamais. Ok, j'ai pas le temps de partir. Très bien, trophée obtenu, un pont vers l'inconnu. Incroyable. Je sais pas pourquoi je tourne. On va rester comme ça. Ça m'emmène où, ça? Je reconnais, ça va m'emmener en enfer. Ça va me mener en enfer. Ok. Très très bien, on est toujours dehors. T'inquiète pas pour la gamine, Ethan. Tout ira bien. Ah! Allez, dépêche-toi de traverser le pont. Ok. Qui est inquiet ici? Personne. Strictement personne, Heisenberg. Ça va être une histoire entre toi et moi, n'est-ce pas? Bon. Oubliez pas qu'on va avoir une note à la fin du jeu qui sera, je pense, relativement basse. Étant donné qu'on prend bien notre temps, regardez, on marche au lieu de courir, mais c'est pour le plaisir. Ah, Ethan Winters, bienvenue. Je n'imaginais pas que tu survivrais à Donna et Moreau, mais je suppose que tu en as vu d'autres en Amérique, n'est-ce pas? Je t'aime bien. J'aimerais discuter avec toi de Rose et de Miranda. Allez, entre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas un piège. Qu'est-ce que tu prépares? Bon! Voilà, j'ai ma miniature. J'attendais que les sous-titres disparaissent. On a la miniature de l'épisode 18. Welcome! Ok. Hop, sur un malentendu, ça peut être bien plus qu'utile. Commence à avoir la bouche pâteuse, vous connaissez ce syndrome, hein? C'est qu'il va forcément se passer quelque chose. L'usine d'Heisenberg avec une très grosse arène. Ça ressemble à une arène? Ça a la forme d'une arène? Ça s'appelle arène? C'est une arène, hein. Vous savez qu'il va y avoir la bagarre, évidemment, qui va être créée là-bas. On n'a rien, là. Un petit, comment dire, une petite chair, un petit truc un peu sympa, cozy. Non? En plus, je suis sûr qu'ils ont caché des trucs que tu peux avoir que avec une lunette de snipers. Ça ne m'étonnerait guère. Genre, tu vois le truc qui irait là-dessus, par exemple. On fouille tout, hein. On fouille tout, je suis désolé. Peut-être que ça mène à rien, mais peut-être que ça mène à tout aussi. Ok, on a l'entrée. Ça a l'air d'être un petit peu Heisenberg, un savant fou. Vous voyez ce que je veux dire? Un savant fou qui construit, qui crée des choses. Un ancien fermier, peut-être, je ne sais pas. Ok. On a quelque chose ici, de toute évidence, et je pense que c'est là. Et pourquoi pas aussi... D'accord. J'avance au tâton, si vous n'en voyez pas d'inconvénient. Où ça mène tout ça? Où ça mène tout ça? Ok. Le vendeur? Je sais pas, vendeur? Putain, mais c'est quoi ça? Mia? La vérité fait mal. Oh putain, il m'a fait stress. Laisse-moi deviner. Tu comptes
M'éliminer comme les autres, comme ça tu pourras sauver Rose, c'est ça. Je veux guérir ma fille. Écoute, tu es à côté de la plaque. Je suis en train de parler, là. Arrête-moi, ce boucan ! Désolé. Assieds-toi. Écoute, Ethan, on te mène en bateau. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu crois que c'est un jeu ? J'ai dit assis ! La grognasse avec son gros cul. La folle avec sa poupée. Et ce monstre débile. Tu saisis pas. C'est un test. Pour voir si t'es assez fort pour rejoindre la famille de Miranda. J'ai aucune envie de faire partie de sa famille. J'étais comme toi, mais voilà. Et je suis le prochain, c'est ça? Tu me tues et tu prends ma place? Allez vous faire foutre! Et si tu savais comment je m'en tape de tes problèmes? Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Moi aussi. Tu as une idée du pouvoir que détient cette gamine? Même Miranda en a peur. Je te jure, du coup, c'est la dernière fois! Toi et moi, Ethan. Ensemble, on sauve Rose et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes. Ma fille n'est pas une arme. Va chier! Dernière chance. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou? Je prends le risque. Tu l'auras voulu. Ok. Bon, la scène était grave stylée par contre. Un homme ventilateur, ok. Bon, alors, nous allons affronter l'homme ventilateur, hein, qu'on embrasse. Qu'on embrasse fort d'ailleurs. Ok. Mais est-ce que je dois courir ou pas? Est-ce que c'est bien ce que je fais ou plus sa mère? Ça a l'air de puer, hein. Ça a l'air de puer ce que je fais! J'ai perdu des choses gratuitement! Aïe! Oh non, le sum! C'était quoi cette horreur? Oh, je pensais qu'il fallait déjà le battre! J'ai perdu tellement de choses! Ok. Ok, ok, il y a beaucoup de choses à récupérer là-dedans. Très très bien, on prend. Est-ce que je peux récupérer l'équivalent de ce que j'ai perdu? Ça serait sympa quand même. Quoi? Ok. Très bien. On n'a toujours pas tout récupéré. Oh, j'ai le seum. Mais genre tellement. L'homme ventilo, mon frérot. À l'approche de l'été, par contre, il fera du bien, hein. Putain. Très bien. Bon, écoutez, on a fait un tour, sait-on jamais, si on avait oublié quelque chose derrière. Malheureusement, enfin, heureusement, rien n'a été oublié. J'ai été plutôt très très chaud. Ok. Regardez s'il y avait quelque chose sur la grue, sait-on jamais. Il serait assez vicieux, n'est-ce pas? Pour y planquer un petit trésor. La scène était giga stylée, je sais pas ce que vous en pensez. Heisenberg, je le trouve tellement stylé dès sa première apparition. Wouh!
j'ai pas le temps. Au bout d'un moment, comprenez bien que je n'ai pas le temps, et toi, je pense que ça va être l'humiliation, hein, quand je te dis que j'ai pas le temps. Ok. Ah ! Petit fils de pute. Ça y est, tu veux te battre ? Voilà ! Qu'est-ce qu'il y a, mon gars ? Un crâne. Plus jamais. Plus jamais je me bats, même pour rigoler de cette manière. C'est assez terrible ce qui vient de se passer là. Ça je peux faire. Voilà. Ça je peux faire. Voilà. Et ça je peux faire aussi. Et ça c'est plutôt cool. Bon. C'est bon. On va se calmer. On va canaliser un petit peu nos ardeurs, si je peux me permettre. On a récupéré pas mal de trucs cool en plus. Ok. 1100 lei. Très bien. Il va y avoir un combat ou quoi? Il va se passer quelque chose là de très tendu. J'ai hâte de croiser d'ailleurs le... Comment il s'appelle? Ok, c'est bon, il n'y a plus rien à fouiller. Le vendeur, n'est-ce pas? Oh, des toiles d'araignée, dégueu. Je déteste les araignées, vraiment, mais c'est immonde. En fait, je préfère... Écoutez-moi bien. Je préfère me battre avec un cheval, mon ref. D'accord? Je suis là, 1v1 versus un cheval ou un poney, que me battre contre une putain d'araignée. Tu vois ou pas? Putain, je suis... Ah! Il faut ah que oui! Je remonte. Oui, c'est un inventeur fou! Bienvenue dans l'usine! What the fuck? Ils sont en train de créer avec peut-être les villageois des sortes de mechas incroyables. Ça, c'est le côté japonais, c'est sûr. Hein. Resident Evil étant fait par des japonais, ah, ils pourraient pas s'en empêcher. Ok. Je reste très focus au cas où. Pas envie de louper quelque... Oh, que tu en... Quatrième sous-sol, c'est les matériaux. C'est entouré en rouge, hein. C'est que tu te doutes bien de ce qui va se passer. Oh, mon ref! Bienvenue, bienvenue. Ben oui! J'ai sûrement quelque chose pour vous. Mais c'est un ascenseur. T'as sûrement quelque chose, c'est vrai? Vous cherchez quelque chose en particulier? Alors oui, voilà, bien sûr, mais oui, mais oui. Voilà, bien sûr. Wouah, quoi? Non, attendez, attendez. Oh, 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 c'est du rêve, ça, les gars, hein? Quoi? Non, 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 manger, non. C'est vivre. Non, c'est trop, c'est trop. Ok. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Évidemment que ça, c'est fait aussi. C'est fait. Ok. Très bon, ça. Ça devrait suffire. L'excitation est à son comble. Ça va calacher des mers. Non, mais voilà, maintenant, c'est dit. C'est dit, c'est dit. Incroyable. 65 000 pour encore plus d'homage et de pleasures. Et ça, 29 000. Incroyable. Oh, c'est fou. Attendez, merci attendez, de attendez. Votre visite. Attendez, je suis très excité à l'idée d'essayer ce nouveau joujou. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Mais attendez, mais là, on parle Kalachnikov, là. On parle très, très gros... très, très gros stuff. Attendez, hop, voilà. Incroyable. 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 Allez-y, n'hésitez pas à acheter un œil. Ok, très bien. À la prochaine fois. Merci, mon rey. Ok, 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 ok. Waouh. Je m'attendais déjà à battre un boss. Mais pas du tout. Y'avait... Attendez. Le doute... Mavit. Storage manufacturing... Le système électrique et le garage, évidemment, dans le sous-sol. Et là, je peux aller en B1 et B3. Je ne peux pas aller en dessous. Ok. On va finir cet étage, tout de même, sait-on jamais. Peut-être quelque chose de très intéressant. Excusez-moi! C'est
C'est sûrement ce qui verrouille la porte. Ok. Ça a l'air facilement destructible. Bon. La loi, les potes, c'est qui ? Bah c'est moi, voilà, tout simplement. Attendez, je commence. Ça fait beaucoup quand même, ça, hein, pour des petits hommes comme vous, si je puis me permettre. Attendez, non mais oh ! Y'a pas de mune là, s'il vous plaît ? Terrible. Vous êtes gourmand, vous ? Qu'est-ce que je prends là, moi ? Dans quoi je me suis engagé encore ? J'ai pas signé pour si peu. Hein. Ça fait quoi ? On dirait qu'il n'y a pas assez de courant. Ouais, bah là, on peut tomber. On va éviter. Ok, on va descendre. C'était évident. Bon. Alors, je vous aime bien. Voilà. Suivant. C'est bien ce que je pensais. Très bien. J'aime quand on se parle comme ça. J'aime beaucoup. Il y a sûrement un truc à faire à cet étage. Je pense qu'à chaque étage, il doit y avoir un bail, non ? De toute évidence, j'ai rien. J'ai rien. Peut-être la photo d'un poisson ? Je ne sais pas. Quoi ? Rien non plus à mettre ici. Ok, je commence à voir un petit peu plus clair. C'est grand quand même, non ? Vous en pensez quoi ? C'est verrouillé de l'autre côté. On a beaucoup de chance en ce moment, dites donc. Ouais, d'accord, ok. Bah là, c'est peut-être justement le meilleur moment. Voilà. Ok. S'il mourait pas, j'étais dans un sacré pétrin. Oh, crochet ! D'où Jésus ? Je veux, mon neveu ! Ok, on va prendre ça en attendant. Non, on a tout pris ici. Ok, alors. Quartz jaune, cimère, Albert. Beaucoup de poudre, hein, c'est pour se faire, si vous voyez ce que je veux dire, des munitions. Ok. Très bon, ça. On dirait qu'il n'y a pas assez de courant. Bah oui, mais ça me paraissait tellement évident. On sait encore... Qui nous a branché sur... 230 volts... C'est un pompe, ça, d'où Jésus. C'est un fucking pompe. Je m'attendais point à cela. Ok, regardez ce qu'on va faire. Raccourci. Et on va le mettre à la place de ce pompe-là. Et par contre, on va équiper ce pompe-là et on va l'utiliser comme il faut. Monsieur, vous êtes mort. C'est lui qui a fait ça. Oh, il a créé de belles bêtes, hein. Ok. Ok. C'était sûr, putain. Bon.
pas mon frérot. Il y a, je ne sais pas si tu l'as vu. Voilà. Bah oui, non mais écoutez. Wouh. Cœur mécanique. Bah non mais écoutez. Moi, il y a un siège qui nous sépare. Ce serait dommage de ne pas profiter, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez ce que ça veut dire, c'est que ça a swingé cette connerie, hein. Toujours rien, toujours rien. Très bien. Ok. Là, on peut placer quelque chose. Je crois que c'est ici. Et ça va faire fondre. Ah, c'est un moule. Bah oui, mais ça va me mouler, si je puis me permettre. Quoi? Allez, moule-moi ça. Et moule-le bien, s'il te plaît. Un relief de cheval. Ça semble utile. Sans déconner. Sésame ! Ouvre-toi. Ok, bougez pas parce que là, il se passe quelque chose. Je crois que... Ah non, c'est fermé. Bah oui, mais bien joué l'artiste. Putain, j'avais pas vu ça comme ça. Il va y avoir un maximum de moules à faire. Ok. J'étais pas serein. Alors. D'accord. Ils servent donc à ça tous ces crochets. Alors attends mon petit pote. Ça me plaît. Ça me plaît. Et quand ça me plaît, bah tu le sais mon gars. Hein. Non, il me faut une clé. Il y a un cheval dessus. Est-ce qu'on a quelqu'un un cheval ici? Non. Gros coffre, ça me plaît ça. On peut plus remonter. Très très bien. J'ai peur. Ah ouais. Bien, j'ai compris. Faut que je trouve le point le plus lent. Voilà. Ah ouais, mais non, là, les potes, c'est pas beau ce que je vous demandais. Hein. Oh. Ok. Quelqu'un a des problèmes ici, dites voir. Ah ! Quoi ? Quoi ? Ouais. Je me suis tellement fait peur. Ok. Mais les gars, ça va être malin ça. Vous êtes prêts? Ah, j'aurais dû penser plus tôt pour venir. Oh. Ok. Et je suis un connard. Oh non, quel enfer. Oh, quel enfer! Oh, quel enfer! Très bien. Très très bien. Très bien. Vous êtes chaud? Oh.
Oh là là, terrible. Ils font tout pour que tu utilises un maximum de munitions. C'est terrible, c'est terrible. Tout ça pourquoi finalement? Tout ça pourquoi? Je vous le demande bien. Pour ça? Sérieusement? Ok. Ok. Ah yes. C'est verrouillé de l'autre côté. Putain, mais c'est pas vrai. À gauche, là, je les sens pas, hein. Là, il y a un truc facile à casser. Générateur de secours. Il manque une pièce. Tellement évident. On va pouvoir s'arrêter là. Tellement évident. Pas à moi les loustiques, hein. Ouais. Écoutez, on va s'arrêter là. Il nous manque une pièce ici. Bon, il pense que je ne l'ai pas vue, mais je l'ai totalement vue. Une petite grenade explosive, on n'en parle plus. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Attendez, parce que peut-être que je vous dis au revoir. Mais peut-être que ça ne sera pas possible, en fait. J'ai peut-être parlé aussi trop vite. Ici, vous savez qu'on aime parler trop vite. Non, ici, il n'y a pas assez de courant. Normalement, ça devrait être bon. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas dans quoi je m'engage. C'est bon. C'est bon, c'est la sortie. Bye !